Nous te bénissons, nous te voulons, te rendons toute la gloire ce soir de jeudi 29 août 2019, encore la reprise des activités. Bénis cette rencontre, inspire-moi, utilise ma personne, parle à ton peuple, fais du bien, et que ce message puisse faire du bien au Dieu, HM, au nom de Jésus, à tout un peuple, afin d'amener les cœurs à toi. Utilise ma personne et bénis-nous. Au nom de Jésus que je prie, Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'est une structure chrétienne appelée le ministère de la compassion des âmes, un ministère, n'est-ce pas, d'évangélisation, voilà, et qui a pour une spécialité la délivrance, vous ouvrez les yeux sur le monde des ténèbres. Alors, j'apprends dans ces temps-ci à Abidjan qu'il y a. Non, c'est vrai, feu à. Il est mort à un moment d'idée, un moment d'idée qu'on appelle Didier Arafat. C'est quelqu'un que je n'ai pas connu. Je connais peut-être ses proches, puisque moi je suis dans le milieu showbiz chrétien. Voilà, showbiz chrétien, producteur, artiste chrétien. Je chante, hein. Je suis artiste. Hein. Voilà, je suis artiste chrétien, je suis aussi producteur. Voilà, pour lui donner, je connais un peu ce milieu. Ça m'a permis d'être en contact avec pas mal de gens. Mais en même temps, ça m'a montré beaucoup de choses. Moi, je ne suis pas là pour polémiquer, paix à son âme. J'attends beaucoup, on dit non, la franc-maçonnerie, non, les francs-maçons vont tuer les gens. Dans les postades, ils vont tuer les gens. Si vous partez, ils vont boire au sang, parce qu'ils ont envie de boire sang. Mais arrêtez, arrêtez ce bordel. Excusez-moi pour l'expression, arrêtez ce bordel. Pourquoi? Quelqu'un est mort. Il est mort accidentellement. Je ne suis pas en train de parler de la politique, mais ce n'est pas bon pour l'image de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas bon pour l'image de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que j'interviens en tant qu'éclaireur, parce que la vie dit que nous sommes la lumière du monde. Okay? Ce n'est pas bon pour l'image de la Côte d'Ivoire. Il y a des femmes qui sont partout dans le monde entier. Voilà. Moi, je ne savais pas qu'Arafat était plus célèbre comme ça. Il est mort, il est célèbre. C'est la première fois où on perd un artiste, où le monde entier, Ivoirien, le monde entier est surpris comme ça. Donc, l'État ivoirien a décidé de donner le stade, n'est-ce pas, pour chez nous, chez nous. Parce que je crois qu'il est guéri, il est guéri, et puis le bourreau. Sa maman est bourreau, son papa est guéri. Donc, chez nous, à l'Ouest, on ne joue pas avec les corps. Quand quelqu'un meurt, on l'enterre dignement. Voilà. On ne joue pas ça. Chez les Blancs, ici, c'est 3 jours. C'est une pleure, un mouchoir. Et puis c'est fini, on a enterré Frédéric, c'est fini. Chez nous, c'est mieux. Amblo, amblo, amblo. Et puis on crée, on coin le nid, c'est tout. Et puis on danse, on chante. C'est comme ça, de la tradition africaine. Si ça n'a pas marché, on dit oh non, c'est fini, mais ça n'a pas reçu. Donc c'est un artiste, on organise un événement. Ils ont organisé l'événement de Désir Champion, qui est l'un de mes petits. Hein, Désir Champion, c'est l'un de mes fils. Voilà, qui me fréquentait. Tout le monde sait ça. Voilà, tout le monde sait ça. On a composé des chants ensemble, on chante ensemble, on se fréquentait, tout ça. Il a bénéficié aussi beaucoup de mes idées. Père à son nom, le pasteur Désir. Quand il est mort, je suis allé dans son église, il a même pleuré, tout ça. Voilà. Quand Désir est mort, ils ont pris Figaro. Ils sont cassés des chaînes. À Figaro, là, ils ont tout cassé. Après que le dernier hommage de Désir, c'était difficile. Moi, j'étais en France. J'ai suivi ça depuis l'Ivocep. Il y a eu trop de trucs parce que les femmes ne pouvaient pas s'appeler. C'est pareil pour Arafat. Désir est mort brusque. Il partait à Bassam. Il a piqué une crise cardiaque. Il est mort. Donc, les gens ont du mal à accepter que quelqu'un qui vient d'ouvrir une grande église meurt brusquement. C'est pareil par Arafat, père à son âme. Ange Juan Didier. Père à son âme, loin en Didier. Alors, donc, les gens n'arrivent pas à accepter. Donc, chacun se lève, il parle. Bon, on dit, Arafat a des femmes. La preuve, c'est qu'ils ont marché dans la rue d'Abidjan, j'ai vu. Du monde! Donc, on ne peut pas organiser ça, ni au stade de André. On ne peut pas aussi organiser ça à Fugayo. On ne peut pas aussi organiser ça au palais de la culture, parce qu'il y a une mesure de sécurité. Au palais de la culture, il y a de l'eau, la lagune, tout ça. Bon, donc les gens demandaient que ça soit au stade.
Tous les artistes sont en train de venir. Les artistes congolais sont là. Tout le monde est là. Ça, c'est leur milieu. Ils veulent rendre hommage à leurs collègues. Et puis, vous voyez ce franc-maçon qui veut boire ça. Ils ont envie de boire ça comme du vin. Donc, à l'époque, c'est sabotage. Je ne défends pas. Je ne suis pas musulman. Je suis du christianisme. C'est-à-dire, dans le, je suis chrétien, voilà, engagé dans la foi chrétienne. Mais je me dis, et puis je reçois beaucoup de messages dans mon inbox. Même les chrétiens, ils ont peur. Ils disent, parle, soyez prudents, soyez prudents. De un, l'image que vous présentez à la Côte d'Ivoire n'est pas bonne. Voilà, Diawa, c'est pas bon. Alors, les gens ont décidé de mourir un mort. C'est comme ça dans la tradition africaine. C'est comme ça. Donc, en principe, vous pensez que les francs-maçons, la plupart de nos présidents des États d'Afrique, il n'y a pas un qui n'est pas franc-maçon. On a bien saisi? Amen. 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 Ils ne sont pas pasteurs. Ils ne sont pas imams. Ils sont, la plupart sont francs-maçons. Donc, ça veut dire que chaque jour, ils sont à nos têtes. S'ils veulent boire ça, il y a chaque jour, on boit nos sang. Prenez. Amen. 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 Qui rentre dans la boutique. Diallo qui égorge le mouton, tu ne sais pas quelle prière il fait, si le prêtre quand il va acheter et qu'il mange. Pour vous dire quoi? La plupart de nos dirigeants, la plupart, quand vous regardez la plupart de nos dirigeants, la plupart sont francs, sont la plupart dans la franc-maçonnerie. Ils ont choisi, ont fait un choix. Nous, si on a fait un choix, nous avons fait un choix, qui est Jésus. Et quand on a Jésus, je m'adresse à ceux qui croient à la puissance de Dieu. Je ne parle pas à ceux qui sont fanatiques, les gens qui rabaissent Dieu. Moi, je parle à ceux qui croient à l'autorité et à la puissance de Dieu. Et quand moi je parle, je me base sur la parole de Dieu pour parler. Je pose la question. Entre Satan et le diable, parce que la maçonnerie, tout ça, c'est des sectes pernicieuses. C'est de la sorcellerie, les saints occultes, donc c'est satanique. Ok. Entre Jésus et Satan, qui est plus fort? Jésus. Encore pour vous rappeler la parole de Dieu, la Bible dit quoi? La Bible dit, dans Luc 10, le verset 19, Jésus dit, je vous donne le pouvoir à mon nom, marchez sur les scorpions, les serpents, et sur tout, la puissance, sur tout le pouvoir de Satan, et rien ne pourra vous nuire. Moi je demande aux chrétiens, vous savez, un chrétien qui ne lit pas la parole de Dieu, il n'est pas chrétien. La Bible dit, parce que la foi vient de ce qu'on attend, de ce qu'on a compris de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit quoi? Jésus dit, nous avons le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toutes les œuvres du diable et rien ne pourra nous nuire. Et la Bible va plus loin pour dire, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir et l'exécuter. Vous dites quoi? Quand un chrétien, quelque part, la plupart, vous voyez, j'ai parlé aux gens, laissez un peu de franc. La franc-maçonnerie, il y a tes voisins, il y a des voisins qui sont francs-maçons, peut-être qu'ils ne savent pas, qui sont francs-maçons. Ton patron, il est franc-maçon. La plupart de nos responsables des banques ici, les grands bâtiments, ils sont dans la franc-maçonnerie. Le pilote même, là, que tu prends en avion, l'avion, c'est. La plupart sont francs-maçons. La plupart sont francs-maçons. Est-ce que c'est parce que le pilote est franc-maçon que je ne vais pas monter dans l'avion? Mais non. Est-ce que c'est parce que le conducteur du bus qui est franc-maçon que je ne vais pas monter dans le bus? Mais non. Est-ce que c'est parce que le voisin il est franc-maçon que je ne peux pas aller habiter à côté? Non. Vous savez, la Bible dit quoi? Toi, ta position vis-à-vis de Jésus, c'est ce qui est plus important. La Bible dit quoi? Il dit, il nous a donné le pouvoir en son nom de marcher. Vous savez quoi? Ça veut dire quoi quand tu marches? Je vais vous expliquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de banaliser le pouvoir du diable. Amen. Si tu as réellement Jésus, aucun pouvoir de la franc-maçonnerie n'a l'autorité, n'a l'influence sur toi. Amen. Amen. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. Moi, j'ai Jésus. Je m'en fous des sorciers. Si tu veux, il faut aller déjeuner, petit déjeuner à Lucifer. Si tu veux, manger avec lui à midi. Il faut dormir chez lui dans sa chambre, moi, m'abader ensemble. Tu es devant moi, je m'en fous de toi. Parce que la Bible me donne l'autorité, le pouvoir sur toi.
le jour tu auras affaire à moi, tu vas rencontrer mon Jésus. Dis amen. L'autorité, le pouvoir, soi-disant, le truc, l'Église doit comprendre que moi, la présence, vous savez, la présence d'un enfant de Dieu au milieu des mystiques, ça neutralise leur pouvoir. Amen. Ça neutralise leur pouvoir. Arrêtez de faire peur aux gens. Non, ils vont voir le sang. C'est toi qui gouverne le monde. Malheureusement, le monde est sous le contrôle de la puissance de Satan. La plupart de nos dirigeants sont dans les sens occultes. Pour vous dire, frère, il ne faut pas avoir peur du diable. Je n'exclus pas la prudence, puisque la Bible en parle, la prudence. Mais pour vous dire, si un franc-maçon veut te tuer, il n'a pas besoin que tu vas au stade. Est-ce que tu m'as saisi? Amen. Il n'a pas besoin que tu vas au stade. Ils sont partout dans tous les points. Quelle est ta position vis-à-vis de Jésus? C'est ce qui est le plus important. Et d'ailleurs, si tu pars, parce que ça dépend de l'intention dans laquelle tu pars, si quelqu'un va rendre hommage à un mort, stade. Lui, là, Jésus, s'il y a des menaces de la franc-maçonnerie, ils ne pourront pas être, il ne peut pas être touché. Parce que le diable, avant de te toucher, il dit un grain de cheveux ne tombe de nos têtes sans la volonté de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Frère, lisez la parole de Dieu. De entre nous et Satan, qui est plus fort? C'est Dieu. Qui est plus fort que Satan? Je suis allé à droite là-haut. Ils m'ont menacé à Grand Laou. J'ai des menaces. Daniel de Trois-Villes, dans ce village, ils m'ont menacé. Si je descends à Ebounou, je vais mourir, tout ça. Ils m'ont réellement dit, tu es jeune, il faut quitter dans l'affaire de sorcellerie. Parce qu'ici, ils vont te tuer. Moi, je suis parti. Je suis arrivé dans le village. Je suis descendu de mon taxi, de ma voiture. J'ai marché. Et puis, je suis descendu dans le village. En train de crier à Jésus. Jésus, c'est qui ça? C'est quoi ça? Moi, j'ai lancé mon cri de guerre. Puis, j'ai rassemblé tout le village. J'ai dit, je suis venu prêcher Jésus. Mais je suis venu attraper les sorciers. On dit, ah, parce que aussi, il y a son appel d'attraper les sorciers des gens. J'ai dit, oui, il y a ça dedans. On dit, non, on voit les pasteurs, mais pasteur encore, il y a son appel d'attraper les sorciers. J'ai dit, vous voyez, il y a appel d'attraper les sorciers. Moi, j'attrape les sorciers. Puis, je les guéris propre. Amen. Amen. Donc on a commencé, les petits sorciers sont venus parler, c'est compris, qui ont mis des trucs, excusez-moi, dans la nuit, ils sont venus parler pour libérer les gens, parce que les sorciers, souvent, ils prennent les gens, ils les mettent dans leur anus. Voilà. Ils sont venus parler un peu, ils ont mis tant, tout ça. Et le plus grand sorcier est venu dire au chef du village, menacer le chef du village, que ce monsieur, je ne vais pas le voir chez moi à la maison. Et puis d'ailleurs, je vais le tuer, puis je vais le tuer tous. Donc le chef du village, il peut. Gros pain, celui est venu me demander matin. Il dit, ah, le chef, le gars, il va nous tuer. Franchement, on a peur. Parce que si tu as raté, il va tous nous tuer. Moi, je vais être un chrétien, dit oui. Il dit, le gars là, il est trop dangereux. Vous voyez, voici la mentalité des gens vis-à-vis de la parole de Dieu. Et la foi. Quelle est la foi qu'on a en Dieu? C'est-à-dire, on banalise Dieu. On le met au même niveau que les êtres humains. Moi, je crois à la souveraineté de Dieu. Donc, devant une situation, je ne panique pas. Parce que je sais que sa mère est capable de tout. Donc, j'ai foi en lui. C'est un franc-maçon. Parce que je n'étais pas parti de la franc-maçonnerie, je suis pas aussi. Je n'étais pas parti du royaume de Satan. Donc, si un franc-maçon veut m'attaquer, va vouloir voir mon sang. Mon sang, là, ce n'est pas vivable. S'il voit vouloir m'attaquer, c'est ce jour-là qu'il va comprendre qu'il y a un Dieu dans le ciel et qu'il est au-dessus de leur pouvoir. Amen. Il attaque. Il est venu, tout ça. Donc, je leur ai dit, mais vous partez à l'église, pourquoi? Non, mais il est dangereux. Il dit, mais vous partez à l'église sans connaître la puissance de l'autorité, la souveraineté de Dieu. Vous banalisez Dieu. Je comprends que vous êtes là. Et puis le monsieur est là. Il dit, moi, il m'en fout de lui. Mais ce monsieur-là, il confessera devant tout le monde. On dit, mais il dit, si. Hein?
Je n'ai pas besoin d'aller chez lui. S'il est censé, il viendra parler parce que je suis là. Le village est bien sûr embargo spirituel. Je suis maréchal. Le village est sous embargo spirituel. Il ne va pas échapper. Je vois le chef du village et un gros ventre, petite culotte, parce que les gens de la côtière avec les culottes, gros pain, ils marchent devant, ils le voient en colorie. Je lui ai dit, vous savez, David, là, il était petit. Goliath menaçait l'armée de Dieu, Goliath. C'était pas un petit, c'était un géant. Mais David croyait tellement la puissance de Dieu qu'il a banalisé sa taille et ses menaces. Il a affronté. Par moment, il faut affronter le diable. Amen. Amen. Par moment, il faut l'affronter. Par moment, il faut l'affronter. Pourquoi? Parce que Dieu est en toi. Dieu, ce n'est pas un fétiche qu'on garde à la maison. Dieu, ce n'est pas un fétiche qu'on garde dans un coin pour dire, oh, j'ai oublié. Voilà que je mets ça ici. Bon, ça ici, j'ai oublié. J'ai mis ça dans les reins. J'ai mis le bas. Regardez, c'est coloré. Maintenant, c'est le jour qui n'a pas bas. J'ai dit, Jésus, il est anti-accident. Parce que les gens africains, ils veulent attendre anti-anti. Jésus est anti-accident. Donc, quand il y a un problème d'accident, il vient, il règle le problème d'accident. Jésus, l'anti-poison. J'ai été empoisonné plus de deux fois. Une tentative de poison, deux fois, moi, Trasso. Deux fois, les gens ont voulu m'empoisonner, ça n'a pas marché. Ils ont essayé de m'empoisonner deux fois, ça n'a pas marché. Ils ont attaqué ma voiture mystiquement. Mystiquement, ma voiture est taquée sur l'autoroute. Je devais mourir dans un accident. Dieu m'a épargné. J'ai dit, David avait la foi. Au moment où les gens avaient peur, David avait la foi. Pourquoi avoir peur du diable? Pourquoi parler toujours du diable, comme s'il est fort? Du diable. Et je comprends pourquoi les gens, au bout de leur lèvre, francs-maçons, mais ils sont partout. Prêchons l'évangile. Et montrons, prêchons l'évangile, frère. Si nous ne prêchons pas l'évangile, les sciences occultes, le cultisme prendra du terrain. Et justement, soit on est près du terrain, nous sommes en train de faire de la guerre entre nous, la guerre religieuse. On insiste, lui, il est faux pasteur. Il n'est pas véritablement pasteur. Il est faux prophète. Mais attends, mais ils gagnent du terrain. Ils s'en foutent de tout ça. Ils sont dans les gagnants du terrain. Nous devons prêcher l'évangile en tant qu'homme de Dieu. Et un chrétien ne doit pas avoir peur d'aucun sorcier, d'aucun mystique, d'aucun pouvoir occulte, parce qu'on a Dieu. Alors je dis, allez-y vous asseoir, allez-y chez vous à la maison. Jésus-Christ au contrôle. Mais il n'avait pas la foi. Moi, j'avais la foi. J'avais la foi. Alors, le premier jour, deuxième jour de la croisade, le 3 jour du matin, le monsieur vient gaillardement à ma croisade. Je le vois, les gens peuvent prendre. Il me dit d'arrêter de prêcher. Je dis, mais pourquoi? Tu as quelle autorité sur moi? Tu as quel droit de me dire d'arrêter de prêcher? Pourquoi? Pourquoi tu me dis d'arrêter de prêcher? Il dit, tu as gagné. Il dit, mais comment tu as gagné? Il dit, Pasteur, oui, papa. Tu as la vidéo là? Ouais, il y a ça. Tu as la vidéo? Oui, il y a la vidéo. Faut leur projeter ça, faut montrer ça ce soir aux gens. Mais la cassette est dans mes affaires à Zaroko. C'est à Zaroko. Ouais, la cassette. Mais il faut aller là-bas chercher. D'accord, va. J'ai dit, là, faut aller chercher ça peut-être demain pour montrer ça aux gens. Parce qu'il faut que les gens voient un peu. C'est dit, chanter, il dit que c'est pas mûrement. D'accord. J'ai même filmé ça. Comme c'est ça, il est un conservateur, j'ai même filmé ça. Il y a trop de choses dedans. Ouais, trop. Il y a trop de choses, quand vous allez voir, il y a trop de choses. Il me dit, non, tu n'es pas un petit enfant. Je dis, mais moi, je sais, c'est toi qui sais pas. Et Jésus est avec toi. Il dit, mais moi, je sais, tu répètes ce que je sais. Amen. Il dit, Jésus est moi. Je dis, mais il y en a moi. Laisse-moi, je lui dis, mets-toi en genoux. Je l'ai mis en genoux, je l'ai mis en genoux. Oh yes! Ils ont vu que non, un gars comme ça, il dit que c'est ta faille. Il dit, toi, quand tu es venu là, avant de venir, j'ai appelé ton âme. J'ai cherché, je t'ai pas vu. Il dit, mais tu n'es pas me quoi? Mon âme, tu as mangé ça, tu es malade. C'est pour toi. Tous les poissons que tu as mis dans votre eau ici, là, la lagune ici, là, c'est mon âme qui a mangé. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me proteste. Mon âme appartient à quelqu'un. Il y a un propriétaire. Je ne suis pas pour les peuples qui se baladent sans propriétaire qu'on casse, qu'on peut manger. Non, moi, il y a un propriétaire.
quand tu as affaire à moi, le prophète va te taper. Il dit, je n'ai pas vu ton âme. Donc ça m'a étonné. Il dit, j'appelle mon âme la nuit, il ne trouve pas. Il dit, mais comment tu as trouvé mon âme? Donc quand vous n'êtes pas Dieu, les sorciers ont accès à vos appâtes. J'ai accès à ça. Tout ce que tantôt, les sorciers disent, j'ai parlé, appelé son âme, j'ai tiré son âme, c'est ça. Vous comprenez? Ok. Qu'est-ce que tu as fait dit? Quand je n'ai pas gagné ton âme, les pêcheurs de crevettes qui étaient juste à la lagune ici, ceux qui font des crevettes, je suis allé les voir, ils font du gourou, c'est des béninois. On a tué un cabri, et qu'on a mis sous la terre, on a préparé la suite. Comme ça, quand le cabri meurt, toi tu meurs, parce qu'on a essayé de sorcellerie, ça n'a pas marché. Il faut essayer de fétiche. Mais j'ai ma grande surprise, tu prêches, tu n'es pas mort avec tout ça. Toi, tu es fort. J'ai souri, la même manière. Parce qu'il est fort. Alléluia. Si Jésus n'était pas fort, moi, je jamais devenu chrétien. Pourquoi devenir chrétien? Je suis un Dieu qui n'est pas fort, sorcier va nous manger sans s'arracher. Je suis malade. Oui. C'est parce que Jésus est fort que je le suis. Et comme il est fort, c'est pour ça que je suis venu vous affronter pour tout dans ce village. Il dit lui-même les prédicateurs, il dit quoi? Ferme ta bouche. C'est un prédicateur. Prédicateur des sorciers. Arrête tes conneries. Faut que gâter le nom de Dieu, des hommes de Dieu. C'est un prédicateur. Prédicateur, tout à l'heure, tu veux tuer quelqu'un à cause de Jésus qui prêche. Hein? Pardon, il n'y a rien. Ça veut dire, parce que le nom, la chrétienté, ce n'est pas le nom, c'est dans le comportement. Alors quand quelqu'un est chrétien, prédicateur, quand son collègue prédicateur vient, il vient avec lui. Il est l'attaque pas. Quel pas dit, j'ai un chrétien qui sort du corps pour aller attaquer, appeler âme. Comment vous comprenez ça? Et le monsieur a confessé, il voulait tuer 300 élèves parce qu'on devait ouvrir un collège dans leur village sans sacrifice. Et son réseau était démonté. Et le village a été libéré. Amen. 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 J'arrivais à Zaroko, on dit, Zaroko ici là, ça serait ton terminé parce qu'il y a sorcier ici. Il dit, moi j'aime le con, il y a sorcier. Je veux quelqu'un qui va me manger. Comme ça, j'ai demandé le compte à Dieu. Parce que Dieu dit, Jésus dit, si je suis en lui, hein, aucun malheur ne m'arrivera. Jésus dit, il m'a donné le pouvoir de marcher sur eux et leur pouvoir ne pourra rien contre moi. Donc, moi je prouve la parole, je mets la parole de Dieu de preuve. J'ai trouvé la parole de Dieu. Alors je suis allé là-bas. Et à Zaroko, comme Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, va à Zaroko, je vais t'utiliser. Quand je suis arrivé à Zaroko, les voisins hein, se sont en train de parler. Le préfet de la région de Dibo, le préfet qui est parti, il a donné un décret de sortie du village de Zaroko. Les gens, vous connaissez la sorcellerie, il y a un groupe qui est sorcier, et puis il y a un groupe qui n'est pas sorcier. Le groupe qui est sorcier, comme ils connaissent le préfet, ils sont allés négocier pour dire, voici quelqu'un, toujours la parole, division, je mets division dans le village, je divise les familles, mais pourquoi tout ça? Donc le préfet, comme lui, il représente l'État, il a signé un décret que moi, mes pieds, je ne vais pas les voir dans le périmètre de la région de Dibé. Les voici, hein? Bravo! Amen! Qui a des arocos là-bas? Qui a des arocos? Viens ici. Dépêche-toi. Angèle est là. Oui. Là, vas-y. Angèle. Et qui est dit là? C'est vrai ou c'est faux? Comment c'est vrai? Ah. Ça va, il y a longtemps. Je suis là. Ah, faut me présenter ton fiancé. Ça va aller, bon. Ça va aller comment depuis là? Ça va aller. T'es dans la main de Dieu, ça va aller. La main de Dieu, le sien. Bon, c'est ma fille, celle-là, elle est très loyale, elle est avec moi, dès le début. Tu sais que tu es ma fille, hein? Ma première fille aînée. Oui, bon. Ok, sois béni. Amen. Je vais vous confirmer cette parole. Donc, je suis parti du village. Voilà, je suis parti du village.
Voilà, comme le préfet l'a dit, le préfet il est parti. Je fais comment? C'est le préfet. Je suis parti du village. Dès que je suis sorti du village, j'ai fait une semaine. Ils ont tué 10 morts dans le village. Les sorciers ont mangé. Ils ont fait sauce tikiti. Ils ont fait sauce kita. Ils ont fait chapke. Ils ont fait djoumé. Ils ont fait quoi? Sauce moustache. Ils ont fait sauce grain. Ils ont fait michoui. Ils ont fait choubouya. Ils ont fait barbecue. Tous, ils ont mangé. Ah! Chacun allait prendre son mouton, l'attacher. Et bien l'attacher à boutique. Le gars est venu comme ça, n'est pas mangé à boutique. Quelqu'un tombe ici, l'autre tombe dans l'autre. Les voici là, posés. Et si vous ne le croyez pas, menez vos enquêtes. En 2013, menez vos enquêtes, allez-y. À Zaroko, allez menez vos enquêtes, là, ce que j'ai entendu. Maintenant, les gens se soulèvent pour dire non. Le prophète a quitté le village, c'est pour ça qu'il y a 10 morts, parce que ça n'a jamais existé. C'est le village où les gens tuaient beaucoup de gens. Il pouvait avoir 9 morts, 10 morts par semaine dans le village. Donc ça a repris. Et là, les gens sont allés. Ils m'ont appelé. Moi, j'ai fermé mon téléphone. Hein, parce que ah, mon frère, Zaroko, il n'y a pas d'eau potable. L'eau, là, c'est l'eau des marigots. Si tu es là, il y a petit gars sur toi. Tu grattes un peu, tu ne peux pas dormir. Gale là. C'est là-bas qu'on est gale. Ouais, gale là, c'est tout la nuit. Hein. C'est-à-dire quand ça prend, quand tu te réveilles la nuit, de toute façon, tu te grattes. Jusqu'à quand il y a plein de temps, ton sang, et puis tu ne sais pas. Plus. Et j'ai souffert, on a souffert. Hein. On a souffert dans ce village. Non, j'ai dit non, moi, je suis habitant d'acclimatiseur, tout ça. Il y a des fonctions de là, Dieu merci. Dieu me dit, tu vas retourner. Vous savez, quand Dieu vous dit quelque chose, il a compris sa parole. Donc, du coup, on m'appelle. Non, le préfet, parce qu'ils ont marché. Ils ont marché devant la sous-préfecture. Ils ont dit, il faut que le prophète revienne. Si le prophète ne peut pas dans le village, on va détruire. J'ai dit, comment je fais dans votre affaire? Que j'ai votre affaire là-bas. Moi, il m'a dit ailleurs, parce qu'il y avait de tourner. Et je vois les messages, on me dit pardon, tant. Le préfet dit qu'il est revenu. Et je suis revenu. Quand je suis revenu dans le village, les voici là, j'ai levé ma main en l'air comme ça. J'ai dit, si tu m'as vraiment appelé, voilà, parce que j'ai une alliance avec Dieu, si tu m'as vraiment appelé, ce que je suis en train de dire, mener des enquêtes, chercher à savoir, c'est ce qu'il dit est vrai. Si tu m'as vraiment appelé, j'arrête la mort. Et je livre les sorciers à leur châtiment. Et ce village sera développé. Mais si tu ne m'as pas appelé, il faudrait que j'échoue là. La mort s'est arrêtée. C'est fini. Ce qu'on a montré dans le village là-bas. Vous savez, très bien, cascade. On a maté la sorcellerie propre. Jusqu'à le même préfet qui est parti aujourd'hui, Mandro, celui qui a signé mon décret pour avoir l'orphelinat, la fondation. Celui qui a signé mon ONG, m'a aidé. Au départ, c'était chaud. Quand Dieu te parle, il peut y avoir opposition, mais si Dieu t'a vraiment parlé, ce qu'il a dit là, il va s'accomplir. Donc, il y a toujours une opposition de la sorcellerie. Et pour vous dire, les gens se basent sur des rumeurs. Quand il y a une rumeur, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Vous voyez, malheureusement, les gens, moi j'ai lu plus de 30 fois la parole de Dieu. J'ai lu plus de 30 fois la Bible. Quand le diable parle, quand les gens parlent, ouvrez la Bible et puis cherchez à savoir qu'est-ce que la Bible dit face à ces rumeurs, face à ces paroles. Et quand vous puisez, vous allez dire, la Bible nous dit, et nous avons le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, et sur toute la puissance de Dieu. Il dit, rien ne pourra venir, rien. Luc 10, verset 10, rien ne pourra venir. Donc moi, il m'en fout. S'il m'avait rendu hommage à quelqu'un, n'est-ce pas, que la sorcellerie attaque à cause de moi seul, Dieu va protéger mon entourage, c'est tout. Amen. Jérémie, le chapitre 1, verset 19. Pourquoi les gens ont peur? Ils ont peur. Non, la Bible dit quoi? Ils te feront la guerre et te vaincront. Quand je suis avec toi, pour te délivrer, oracle de l'éternel. Vous comprenez? Pour vous dire, frère, lisons la Bible. Lisons la Bible. Malheureusement, il y a des gens qui sont des Facebookiens et toutes leurs informations, c'est sur Facebook. YouTube. Ah, ils ont dit que. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Moi, je ne parle pas à quelqu'un qui ne se base pas sur les principes bibliques. Voilà. C'est pour ça que moi, les choses à la fin, là, je ne réponds pas à ça. Excusez-moi pour l'expression. Mais si quelqu'un veut parler et qu'il parle en fonction de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle est profonde. C'est pour ça que quand je parle, je puise dans la parole de Dieu, dans les paroles. Pour vous dire, s'il y a un événement, s'il y a des rumeurs, il y a des choses qui se passent dans une nation,
Quelles sont les promesses de Dieu? La seule chose avec laquelle Dieu ne joue pas, c'est sa parole. Dis amen. Amen. Parole. Frère, Dieu ne joue pas avec. À cause de sa parole, peut tuer quelqu'un. Quelqu'un se lève et dit, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que je dois aller ressusciter un mort. Ah, frère. Dieu t'a dit, tu dois ressusciter un mort. Oui. Qui va ressusciter? Et s'il ressuscite, les gens vont se convertir. La gloire revient à qui? À Dieu, non? Amen. Donc Dieu n'a pas joué cette parole-là. C'est la fin de cette parole-là qui nous intéresse. Ce n'est pas parce qu'on dit que quelqu'un est menteur. Maintenant, à la fin, on voit que le mort n'est pas ressuscité. Et je vois les gens parler, vous dites, non, fallait le laisser essayer. Je dis, mais attends, vous-même vous donnez déjà la réponse. Quand quelqu'un dit, laissez-le essayer, ça veut dire que c'est lui. Parce que Dieu ne sait pas. Si Dieu parle, il va jusqu'au bout de sa parole. Et celui qui va s'opposer va le tuer. Pour réaliser sa parole, Dieu ne joue pas ça. Il a dit à Moïse, je t'envoie, Moïse dit, toi ton histoire de je t'envoie, j'ai un mandat d'arrêt international. Le premier homme sur la terre qui a reçu le mandat d'arrêt international, c'est Moïse. Quand il a tué un Égyptien, il a fui. Il avait un mandat d'arrêt, donc on l'attendait. Vous l'avez en prison. Dieu dit, ainsi parle l'Éternel, je t'envoie d'Égypte. Dis, mon frère, ton affaire d'Égypte, il y a des problèmes déjà là-bas. Maintenant, après, il dit à Dieu, ils ne croyeront pas. Ça, c'est vrai. Dieu dit, c'est vrai, ils ne croyeront pas. Il a dit même à Moïse, il a dit à Moïse, ils frapperont, ils ne croyeront pas à toi. Ils vont te résister. Mais je vais frapper l'Égypte à cause de toi. N'est-ce pas? Lisez la Bible, n'est-ce pas? Quand Dieu vous envoie en mission, moi Dieu m'a dit, vous savez, je peux sentir l'envie de prier pour quelqu'un. Gloire à Dieu. Tout chrétien peut prier pour un mort, peut ressusciter. Tout chrétien peut prier pour un malade. Mais quand tu dis, voici la parole de Dieu qui m'a dit, Dieu m'a dit, frère, c'est la réalisation de cette promesse que nous autres qui croyons la Bible. Je ne parle pas de celui qui ne lit pas la Bible. Qui croyons la Bible. Selon Jérémie 28, le verset 9. C'est celui qui prophétise et quand ça se réalise, qu'on sait qu'il a appelé de Dieu. Non, du coup, les gens disent là, non, et telle personne s'opposer. Mais quand ce n'est pas de Dieu, il y a opposition. Amen. Quand ce n'est pas de Dieu, ça ne va jamais se réaliser. Frère, si la prophétie ne s'est pas réalisée, il faut fermer ta bouche. Parce que quand tu dis Dieu va agir, parce que tout, ça dit même si la prophétie tarde, elle s'accomplit, c'est un non. Arrêtez ces histoires. On ne dit pas que quelqu'un ment, mais on dit ne faisait pas Dieu menteur. Dieu là, ne le rendait pas menteur. Il fait sur sa parole pour l'accomplir et les répéter. Respectons Dieu. Dieu était, il est là. Il ne faut pas prendre son nom pour dire qu'il m'a dit. Si tu dis, il m'a dit, nous on va regarder. On ouvre la Bible pour dire Dieu, quand il dit, ça se réalise. Je vous ai dit, il y a eu opposition. Ils m'ont chassé du village de Saroko. Or Dieu m'avait dit, à partir de sa repos de Divo, mon ministère. Mais il y a eu opposition. Mais je suis revenu. La preuve. Dans le ministère, on a commencé à sa repos. Et tout ce qu'il m'a dit, elle allait se réaliser. Le développement de sa repos. La route est sortie. Le dispensaire a été créé. L'école. Tout ce que Dieu m'a dit, s'est réalisé. Il y a eu de l'eau potable, c'est réalisé. Moi, je suis un exemple palpable. Je n'attaque pas un homme de Dieu. Je respecte les gens de Dieu. Mais, et de grâce. Dieu m'a dit, là, on n'a qu'à avoir peur de Dieu. Ce n'est pas nos camarades. Amen. Amen. Ce n'est pas nos camarades. De quoi Dieu n'est pas capable. Et quand Dieu a décidé de délivrer Israël, Moïse, Pharaon, on ne voulait pas. Dieu l'a frappé. Vous savez, quand Dieu décide de faire éclater sa gloire, quand quelqu'un s'oppose à ça, Dieu le tue. Ce sera que les sorciers, là, vous les sorciers, quand Dieu décide de délivrer quelqu'un et vous ne voulez pas laisser, parce que vos cœurs, là, à cause de viande, vous carrément vendre viande au marché, vous savez pas ça. Dialogue vend au rognon dans la boutique, allez payer au rognon spaghetti, vous allez manger. Vous avez fait des viandes, là. Viande. Ça va vous amener sous la terre. Pharaon dit, laisse pas Israël. Je dis, ok.
Il a commencé, ils ont commencé à poursuivre Israël pour ramener Israël dans la captivité. Vous savez, quand Dieu décide de vous délivrer, celui qui se lève contre vous rencontre la main de Dieu. Dieu dit, ok, moi j'ai décidé de délivrer un peuple. Je respecte ma parole. Alors ils ont poursuivi le peuple. Dieu a fondu la mer. Ils sont tous morts. Vous savez, Dieu réalise ses promesses. Il faut que Dieu nous parle. J'ai toujours dit, l'envie de prier pour quelqu'un, l'envie de faire la volonté de Dieu. Mais Dieu m'a dit, il réalisera ses promesses. Je suis venu à Thibaut aussi. Il a prophétisé, il a parlé sur Thibaut. J'ai dit, il aura bitume à Thibaut. Les voici, il n'a plus jamais parlé. J'ai dit, il aura bitume. Ils vont bitumer les rues de Thibaut. Le maire était malade. C'est le prophète Crasso, le maire qui est devenu ministre aujourd'hui. Le maire était malade. On a fait une veillée. Dieu m'a orienté, on a fait une veillée. Il était sur le point de mourir. C'est ma prière par la grâce de Dieu qui a relevé le maire. Il est venu témoigner après sa maladie. Il est venu témoigner. Et il m'a invité chez lui à la maison. Il a témoigné ça. Parce que Dieu m'a envoyé dans cette région. Dans la région de Dino, là. Vous savez très bien comment les sorts se trouvent. Je ne suis pas en train de me lancer des fleurs. Non. Je suis en train de vous parler de la souveraineté et de la puissance de Dieu. Comment Dieu est puissant. Donnez votre cœur à Dieu. Moi, si un homme de Dieu dit, Dieu m'a dit, ah, je suis content, alléluia. Pierre a dit à Jésus, mais Jésus a parlé jusqu'à, Pierre dit, il a dit à Pierre, jette le filet ici. Ah, il dit, Pierre dit, ah, mais on a pêché toute la nuit, on n'a pas gagné poisson. Quand je te regarde là, tu ne connais pas la mer. Ici, la mer, il n'y a pas de poisson. Ah, mais sur ta parole. Oui, il dit sur ta parole. Parce qu'il sait une chose. Il sait que quand Dieu dit, il réalise. Donc, sur la parole de Dieu, il a jeté le filet, il a eu le poisson. Vous comprenez? Amen. Amen. Quand Dieu décide de faire un miracle, on est un homme, n'essaye pas. On ne laisse pas quelqu'un essayer. C'est Dieu même qui crée les voies. Il touche les cœurs, il donne les moyens, il crée toute la situation, il dispose des cœurs, il crée tout. Et puis, il fait réaliser sa parole. Grandissez un peu. Hein? On a grandi. Dis n'est pas nos camarades. Amen. Amen. Alors, vous les sorciers, là, vos dents, le feu sur ça. Hein? Vous avez fait des viandes, là. Vous allez mourir. Vous allez mourir un jour. Si vous ne mangez pas, si vous ne vous donnez pas véritablement à Jésus, vous allez avoir des problèmes. Vous avez compris? Amen. Alors, pour vous dire, ce n'est pas un homme que vous devez suivre Jésus-Christ. Si vous avez Jésus-Christ, aucune menace d'inflammation, aucune menace de Rosicrucien. Parce que quand quelqu'un me dit, aucun homme ne s'opposera. Aucun homme ne s'opposera. Aucun serviteur de Dieu ne s'opposera. Aucune personne ne s'opposera. Maintenant, après, on dit quelqu'un qui s'est opposé. Et puis, il n'y a plus eu de miracle. Mon frère, il faut te taire. Peut-être que tu n'as pas bien compris là. Tu n'as pas bien entendu la parole de Dieu. Ça peut arriver, tu peux te tromper. Fermez ta bouche. As-tu à fermer ta bouche? Amen. Donc, aucun franc-maçon n'a le pouvoir sur vos âmes. Amen. 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 L'ange éternel campe au-dessus de tous ceux qui les créent, il les arrache du danger. L'ange l'éternel campe au-dessus de tous ceux qui les créent, il les arrache du danger. Le malheur arrivera parfois le juste, mais l'éternel en délivre tous les jours. Amen. Amen. L'ange délivre tous les jours. Je suis l'homme le plus menacé des sorciers. Quand sorcier me menace, je suis content. Ouais, tu ne peux pas me manger. Même si tu as faim. Sorcier, mais quand il voit mon nom, même il dort, là, il fait un cauchemar. Ah, il tremble. Parce que j'ai une foi brute à la parole de Dieu. Ma foi, elle est brute, ça dit sauvage. Je n'imite pas la main de Dieu. C'est pour ça que j'ai pris ma Bible. C'est avec ma Bible que je suis parti à Divo. Dieu m'a dit, j'ai construit Orphelina. J'ai construit Orphelina. Toutes les réalisations s'est passées à Divo. J'ai construit Orphelina. Quand Dieu vous parle, il réalise ses promesses.
Il y a des choses que Dieu m'a dit et ça va s'accomplir. Voilà. On dit même si elle t'a, attends-la, elle s'accomplira certainement. Et donc j'attends, parce qu'il ne ment pas. Alors que Dieu bénisse. Amen. Lisez la Bible. Pour ceux qui vont, qui savent lire, acheter la Bible, commencez à lire la Bible. Commencez à étudier la parole de Dieu. Commencez à vous plonger. Même si on vous dit des choses, examinez cette parole. Attention de la parole de Dieu. C'est elle qui est notre boussole. Cette parole est dans notre boussole. Aucun franc-maçon n'a le pouvoir sur l'héritage d'enfant de Dieu. Ah non, les francs-maçons, vous savez pas que vos voisins, la plupart des chefs d'État, la plupart sont des francs-maçons. Si vous voulez boire ça, vous allez pas. Mais quel franc-maçon qui peut boire ta consomme? Moi, je suis un franc-maçon. Même s'il a envie de boisson, quand il va piper mon âme, éclair qui va tomber sur lui, là. Il va comprendre qu'il y a une différence entre moi et le païen qui est à côté. N'ayez pas peur d'aucune menace de la sorcellerie. Mais n'ayez pas peur d'un diable. N'ayez pas peur de la franc-maçonnerie. N'ayez pas peur des actions de Satan. Vous avez plus que peur que la Bible dit. Ce qui est en nous, nous les chrétiens, c'est plus fort que ce qui est dans le monde. C'est l'IA et la franc-maçonnerie. C'est plus fort que l'occultisme. C'est plus fort que la rose-croix. C'est plus fort que la sorcellerie. Amen. Amen. Quel sorcier qui ne veut pas me manger? Le monsieur, la façon, il est là. Son frère, Jeff James. Ouais. Après, là où j'étais avec eux, matin, je me réveille. J'ai dit, mais voici, vous voulez manger, là? Oui, on veut manger. J'ai dit, mais je m'ai dormi. J'ai dit, mais manger. On dit, non, viens comme ça, là. On ne peut pas manger. J'ai dit, avant, il y a bien, vous ne mangez pas. C'est là que j'ai fait sortir Shibuya en poison. Je suis bouillant en poison. Donc, il y a bien que vous ne mangez pas. Hein? Bien, vous ne mangez pas. Le feu sur vos bouches. Quand vous voyez bien que vous voulez manger. Donc, il y a bien que vous ne mangez pas. Il faut que l'Éternel soit ton berger. Dis amen. Amen. Toi-même qui es là, tu es mouton, tu n'as pas propriété. Quand mon voisin ne va pas te manger. Le voisin est un sorcier. Il voit même toi-même tes moutons sans propriété. Il y a fait quelque chose. Avec Akeke Abouja, mon petit panier. Et tu manges toute la nuit. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. N'ayez pas peur des menaces. Amen. David a dit, qui es-tu? Que c'est à l'Éternel qui appartient la victoire. Alléluia! Il arrive alors que Dieu aura permis que Dieu nous protège, qu'il nous garde. Amen. Il ne permettra pas que le diable ait raison sur nous. Et ça, je le crois, je le connais pour ça. Voilà. Il veillera sur sa parole pour l'exécuter. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse. Amen.